commandant, on reste en plongée? Oui. C'est indispensable? Non. Alors pourquoi on y reste? Parce que... Commandant! Oui. Vous pouvez pas faire surface? Si. Alors pourquoi vous le faites pas? Parce que... Bon, enfin, parce que quoi? Et parce que je suis le maître à bord! Parce que je commande le capteur que je n'ai d'ordre à recevoir de personne! Et de vous, moins de quiconque! Mais vous fâchez pas, commandant, on vous donne pas d'ordre! On suggère! Après ce que vous avez fait? Ah, bah quoi, on n'a rien fait de mal! Ah, vous n'avez rien! Oh! Ah, bah ça, c'est incroyable! C'est pas de la démence, c'est de l'inconscience! Mais vous vous rendez pas compte, non? Mais écoutez-moi, commandant, écoutez-moi! Je n'écoute rien! Tout ce que je sais, c'est qu'on va manquer de tout! Qu'on va crever de faim et de soif! Parce que vous avez jeté toutes nos réserves à ces idiots de naufragés volontaires qui n'en ont même pas voulu. Mais je vous l'avais bien dit, pourtant, je vous avais prévenu. Mais on n'a pas réfléchi, n'est-ce pas? Seul le souci de la plus élémentaire humanité... Ah! Et ça vous a amené à quoi? À ce que toutes nos rations se baladent dans la flotte, mais pour rien! Sans aucun bénéfice pour personne! Ah bah quoi, on peut se ravitailler dans un port, non? Je n'ai pas le droit de faire escale avant le cap, les ordres sont formels! Je croyais que vous ne receviez d'ordre de personne! Sauf de Monsieur Fouvreau, mon patron! Et encore, je ne les exécute que s'il me les donne! Oui, et s'il vous les donne pas? Je n'ai pas à en tenir compte! Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, puis autant en finir tout de suite! Allez, hop! Plus bas! Toujours plus bas! 1000 mètres! 1500! 2000! 2005! Commandant, vous devenez fou! Je préfère m'écraser dans les grands fonds que de mourir d'inhumation! Inanition, commandant! Bah, les mondes ne changent rien à la chose! Et si vous remontez, commandant, peut-être je pourrais vous dépanner! Vous dépanner? Et avec quoi? Mais c'est vous qui avez presque tout jeté! Vous, monsieur Astipumante! Vous me faites confiance, non? Mais remontez d'abord! Ah ouais, je suis trop bon! Enfin, allez, hop! Surface. J'en veux pas de votre nourriture! Mais si, mon cher Théo, vous y viendrez. Posez ça là. J'ai pas faim, je mangerai pas. Ah bah c'est bon pour les demi-portions. Des chipolatas avec de la purée de fèves. Je vous dis que j'ai pas faim. Mais si, tu vas manger. Oh, mais enfin, c'est quelque chose, alors. Enfin, assez discuté, grognache. Viens déjeuner. Bon appétit, face molle. Parfait. C'est bien ce que j'espérais. Je les ai énervés pour qu'ils oublient leur étui. À présent, le goutte-gousse est à moi. Puisque ces imbéciles ont l'air impressionnés par le boudin sacré, il vaut mieux que je fasse main basse dessus. Voilà. Très bien. Sûrement, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place dans la boîte? Voyons. Oh, bah oui. Chipolata, mes sœurs, vous voici sacré boudin. Parfait. À présent, qui est l'envoyé tout-puissant du grand Babu? C'est le petit Théo. Et il attend son heure. Mon étui! Où est mon étui? Quel étui? Ah, allez, voilà. Ah, j'ai eu chaud. Vous aviez perdu quelque chose, mon cher Claquemuf. Oui, mais je l'ai retrouvé, cher Théo. Et vous m'en voyez ravi. Les chipolatas vous ont plu, cher Théo? Ce sont les meilleurs de ma vie, cher Claquemuf. Vous m'en voyez ravi. J'espère qu'elles ne seront pas trop lourdes. Plus que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.